suis sur le village citoyen et je vais interroger Angélique sur le fait de sa présence ici. Bonjour, moi je suis Angélique, je suis une des infirmières en fait du centre de dépistage de La Rochelle, donc le CEGID, son petit nom. Et donc du coup c'est la deuxième année, on était là aussi l'année dernière pour du coup faire un peu d'information sur le dépistage et la santé sexuelle en général. Et on a aussi une collègue Valérie qui est là, sage-femme, qui intervient au centre d'IVG de La Rochelle et du coup qui donne aussi des informations et sur la contraception et choses comme ça. Est-ce que les jeunes viennent facilement ? On a à peu près une quarantaine de personnes qui sont venues nous voir aujourd'hui. On est au niveau des adultes, on en a un petit peu plus de 10, donc ça nous fait un bon ratio de jeunes. Donc c'est très intéressant, il y en a qui viennent vraiment chercher des infos spécifiques, donc c'est chouette. Est-ce que vous avez des personnes extérieures au festival qui viennent se renseigner ? On a eu, oui, il n'y a pas longtemps, là, une dame de La Rochelle, une grand-mère qui est intéressée pour ses petits-enfants. Elle est allée à la plage, elle est venue prendre des infos, donc c'est top. Très bien, et dernière question, est-ce que vous avez, vous, une question pour les jeunes qui présentent des films ? Très bonne question, je n'y ai pas réfléchi. Une question en rapport avec le festival ou en rapport avec notre thème Sur le festival ou votre thème, peu importe. Est-ce que vous, vous aimeriez savoir ? Ce que j'aimerais savoir sur les jeunes, ce serait comment les toucher le plus possible pour leur donner l'information qu'ils demandent sans les mettre mal à l'aise, parce que c'est parfois le cas avec le thème de la sexualité, sans leur apporter des infos qu'ils ont déjà par plein de biais. Donc voilà, vraiment savoir spécifiquement leurs besoins pour essayer d'y répondre au mieux. On essaiera de leur poser la question. Et... Merci à vous.